Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Civilization 5, toujours avec les armées de Mima. Bon, nos armées de cadavres, elles sont quasiment épuisées, mais bon. On va essayer d'explorer pour finir ce qui est ici. On va renvoyer les troupes vers le Shiny Needle. Et on va essayer de prendre Lilliput. J'ai le moins d'argent là, ça me fait chier ça. J'accepte. Ouais, moi je veux bien avoir des accords avec toi, ma chérie. Oh putain, ok, d'accord. Ouais, les Onis, je fais pas d'illusion, ils veulent me foutre sur la gueule, les connards. Le Congrès mondial accueille les cités d'État. Ouais, bah c'est ça le problème, je m'en fous ce qu'il y a pas dans cette game là. Donc on va passer en mode. Encore à Barbatia, ça m'étonne pas du tout. Oh, il y a quelque chose là-bas. Nommer délégué, on va nommer délégué pourquoi? Bannir le sucre, tu peux te faire foutre. L'organisateur qui est chargé d'organiser le congrès. Donc qui pourrait organiser le congrès? Je vais voter pour moi, évidemment. Hein. Là, le oui, on peut bombarder la navire barbare. Ah, peut-être 3 citoyens, la vache, c'est pathétique. Les mecs, une fois que vous avez terminé la route, si vous aménagez le bled, hein. Cette ville sert tellement à rien en fait. Ara, l'hôtel. J'ai déjà un hôtel ici, c'est l'Okora. Oui, une déclaration d'amitié avec toi, ça me plairait. Mission village des humains. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tanuki toujours l'organisateur, c'est pas étonnant. Alors toi, tu vas me faire construire une jolie petite route. Route vers... ici déjà. Bon, l'avance est terminée, on va construire quoi, nous? École publique pour booster la science. Et là, on va construire quoi? Un zoo. Est-ce que si tu veux attaquer ici, tu explores là et bon. Bah. Ok, j'adore. Chacun a voté pour sa gueule. La première fois, je vote pour Kaguya juste pour faire chier les Tanuki, d'accord? Sorcière. Oh! Avec une sorcière qui pourrait. Pas loin de l'époux, ça pourrait être utile. Mais on est full régène. Je crois qu'avec 2-3 artilleries, ce serait bien pour bombarder les Lilliput. Très bien. J'ai pas que défense et accord recherche. Désolé, bon, je pauvre. Désolé, je ne ferai pas encore recharge avec toi, ma chérie. Désolé.
Je vais garder mon pognon et puis je vais m'en servir pour construire un autre tribunal dans une ville. À coup gratos. C'est quoi un temps? 3 tours encore le chaîne Needle? On fait chier ici. Hein. Ok, Ara peut attaquer ici. Je vais adopter une doctrine. Elle va prendre quoi comme doctrine? Réseau scientifique. Et une fois que j'ai toutes les doctrines, j'obtiens quoi? Deux technologies gratos? Ah bah on va pas se dire non, hein. Alors, on va prendre quoi? On va prendre. La poudre à canon. La radio. La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. Ok, donc là je sais pas le voir ce qu'il y a ici, il y a vraiment. C'est vraiment hyper enclavé. Hein. Wow. Voilà, et puis, je sais que je vais faire également. On était à 8, on est tombé à 2. Donc si j'achète le tribunal. On remonte à 8, voilà. Donc ouais, c'est pas vraiment la peine de me casser le cul à... Je vais voir une chose, je vais faire une chose. Au courant, non, tu vas construire la modifier la construction, tu vas plus construire là, tu vas construire la tour Eiffel. Vu pour tester de bouffe, tu vas bourrer un petit peu quand même ici là les. Ah pour la tour, évidemment on va construire acheter nos points là. Comment ça 41 tours? De la tour de porcelaine et puis le Taj Mahal qui sont là. La poudre à canon sera tellement utile parce que je suis un peu à la bourre là. Les morts c'est bien et bon. Ce monde appartient aussi aux vivants. Ok, nouvelle idéologie. Alors toi le squelette tu vas partir en mode. Voilà, premièrement ici. Alors ici, Okora. Tu vas acheter également un. Allez, ça. Je faisais une idéologie, donc qu'est-ce qu'on va prendre? Égalité, c'est pour l'histoire culturelle, scientifique. Autocratie. Alors, l'ordre, c'est pour les victoires culturelles, militaires ou technologiques. Oh, c'est les mêmes, ok. Sauf que moi, je suis un. Ouais, bah moi vous connaissez, hein. L'autocratie, oui. Adopter une doctrine, donc doctrine, on va voir. Autocratie maléfique, oh putain!
Tiki pour une vraie doctrine, donc à prendre. Force d'élite déjà. Et je vais ajouter un nouveau principe, donc à prendre quoi? Couverture médicale universelle. J'ai pas cette culture, putain. Cette ville-là, honnêtement, je contre un tribunal dès que je peux. Hein. On va se déplacer par ici, putain, 20 tours. Wow. Il va falloir faire tout le tour ici, là. Parce qu'il n'y a pas de route et que c'est la rue. Les pauvres sorcières n'ont plus beaucoup de puissance parce qu'elles sont d'une époque antique, les pauvres. Et vous faites quoi les gars? Vous pouvez pas juste est-ce que vous pouvez pas partir ici pour réparer les bâtiments, les infrastructures, là, parce qu'il y a plein de trucs qui sont encore à réparer hein, les gars, faut vous bouger hein. Donc là c'est une ville fantoche. Dès qu'on peut là, putain, poudre à canon. Déjà que je vois mon magicien, je vois quelques squelettes histoire de pouvoir envoyer du matos en plus hein. Et puis on prend les putes. Et puis ici bah, je me démerde pour acheter des canons. Pas tout ici, ici il y a le château du Meiji. Oui il est là. Oui je l'ai récupéré. Temple silencieux. J'accepte ton traité de paix. Non, bah je pourrais prendre des liputes, hein, c'est tout. J'accepte de repasser avec toi, ma chérie. Le plus bling bling au monde. Oh putain, elle a tellement de pognon, mais c'est où? Je suis sûr que c'est un peu qu'en foutre. J'ai une idée de construire des unités, c'est pratique. Enfin, des bâtiments, c'est déjà pratique. Notamment un marché qui a fait du pognon. Moi, je dis oui tout de suite. C'est chaud de voir quand même que les Tanuki sont bloqués ici, là. Et Kikuya qui est juste là en plus. Ouf, en face. Ville de Kikuya qui est 27, mon dieu. J'ai hâte de pouvoir me la conquérir, cette ville. Il y a tout ce qui est au mauvais. Le jour où deux armées pourront s'anéantir mutuellement en une seule seconde, toutes les nations civilisées reculeront de peur et démantèleront leur. Ah non, non, je t'assure, hein, on peut s'annihiler en une seule seconde, et pourtant il y a toujours des armées, je te rassure, hein, Nobel, la guerre c'est un truc, on sait faire, ça a pas changé. Hein.
L'or monte, c'est très très bien. Regardez juste où je suis. Oh, elle est prudente madame Mizu. Bon. On va aller d'abord vers la chimie, puis vers l'engrais. Toi, tu vas nous le payer. Toi, tu vas nous le payer. Je t'assure, Yuka. Tu cherches la merde? Je prends juste les 10 buts. Et après... J'occupe mon petit cul, d'accord? Bon, le Shiny Idol là, on va pouvoir le nationaliser, construire un tribunal, enfin je trouve que ça termine juste le marché, et je le prends en plus de l'infanterie dedans, vous allez voir. Je refuse, je suis désolé, là faut pas exagérer. Tanuki dénonce Yentei, il faut pas exagérer là, Yentei c'est mon pote pour l'instant. Oh toi... Oh, alors, Yuka t'exagères là, ma chérie. Et j'ai trouvé Bubu Mario Newspaper là donc. Aya! Ok, pas de déclaration d'amitié avec toi, au revoir. Yuka, elle est hostile. Ça me plaît pas du tout que Kakazemi soit hostile avec moi. Et là, on va faire, vous allez voir, annexer la ville. Elle aime pas, et bon, on va faire acheter le tribunal. Et on va faire modifier la construction en construisant. Les arquebusiers, c'est pourri. Il faut 480 fois pour faire des squelettes, putain, ça craint. J'accepte. Ça me sert à avoir des meilleures relations. Tout ça me payer. Ah oui, il aime pas que je fais les Kentai. Et puis les parties occidentales, là, je vais leur foutre la paix pour l'instant. Il y a déjà Mamizu qui est détesté à la fois par Kaine et par Kaguya, c'est très bien pour moi. Donc ici on va construire quoi? On va construire simplement une école publique pour la science.
On va essayer de reprendre Lilliput. Vu qu'il n'y a plus de troupes pour la défendre. Et l'autre connasse de Yuka Kazami, elle, on va la bourrer. Là, plus loin bourré, hein, séparément. Il n'y a pas d'image dégueulasse en tête. Ah, je ne savais pas ce que je rattaque ce Lilliput, hein, ma petite chérie. Hein. Aïe aïe aïe, ma chérie! Ma, qu'est-ce que tu as fait? Idéologie adoptée. Ah. Et NT a adopté l'égalité. C'est Kaguya, c'est une princesse. L'égalité pour une princesse, c'est débile. Mugenkan, est-ce que. Non, elle n'a pas encore déclaré la guerre, Mugenkan. Ah, le projet est à un tiers terminé. Bah, c'est bon. J'ai le temps encore. On bat un petit peu. Un spectre ici qui se bat tranquillement, pépère. Un autre spectre qui va attaquer par le sud. Et là, cette fois-ci, je la prends, cette ville. Je sais que ça sert à massacrer, c'est pas grave, j'en ai mis les deuxièmes. Vous voyez ici, t'as fini la mine. Tu veux construire une ferme ici. J'ai toujours... Je suis à l'air modèle, j'ai toujours pas la chimie, ça craint à mort. Et en plus, il y a tellement de trucs qui sont pas encore réparés ici, ou là. J'ai vraiment l'impression d'être en loose totale là, avec ces bleds. Bon, c'est bien parce que c'est toi qui es né, hein. Prochain qui je pète la gueule, ça va être Yuka Kazami. Parce que je sais parfaitement que. Avec ces villes là, et puis ben, le fait qu'elle m'insulte, je sais qu'elle veut me tuer. Mais bon. Yuka Kazami oublie une chose, c'est que. Je suis la grande Mima. Alors, je détruis ce prophète. Le spectre là, lui, il va être en mode. Je vais l'envoyer par ici. On défend de Yuka Kazami. Parce que j'ai aucune confiance en elle. On bat les Lilliput sur le côté. Il va venir se régénérer. Et ici, j'ai le squelette qui va pouvoir tranquillement venir là, en mode clac 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 clac. Clac 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 clac, je suis un squelette. Ha 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 ha. Lilliput va tomber. Ce sera très très bien. Ça va faire chier, ça va faire chier tous ces cons. Voilà, très bien. Je me dis pour passer également de son côté. Enfin, tout, il est tellement bourré de thunes, Kaguya. Mais si je m'emparais de cette ville-là. Si je continue comme ça, là. Je prends la puta. Je fais une route vers Kaguya. Je m'empare de sa ville.
Cette ville-là serait une super puissance pour moi. Il y a un colon ni putain, les ONI aussi se mettent avec leurs colons. Et j'ai un espion qui fout rien. Toi. Déplacé, on va t'envoyer. Donc il y en a un qui est à Mugenkan, l'autre qui est à. Je vais le déplacer à l'ancienne cité pour espionner parce que je vais voir en capitale ce qui se passe. Le spectre là il est en mode. C'est quoi, c'est la colline ici? Donc c'est, on va mettre exercice 1. Il va mourir sans doute là. Je fais gaffe de doute, est-ce qu'il va se faire défoncer? Même pas. Surprenant. Lui il va hop. Avec 3 spectres et enfin, un Melcien et un Gaës, c'est bon, j'ai pris le Lilliput. Ville fantoche. Oh, on a moins 1 seulement. Construire une banque. Bien, et on va également faire plaisir ici à la Scarlet Mansion, on va faire. Acheter tribunal et on va également acheter une pagode, ça monte le bonheur, ça fait plaisir, et hop. J'ai passé de thunes pour l'arquebusier, c'est pas grave. La puta. Bon bah je vais cramer nos petites villes, ma petite choupinette. Hein. Attends, tu me laisses juste le temps de régénérer toutes mes troupes et j'arrive, d'accord? Le temps de toute façon, je vais régénérer de ça, mes morts et tout là. Et je défonce, ok? Pauvre petite Sukuna qui n'a pas de chance. Je vais prendre la piouta. Et je m'arrêterai parce que je laisserai mes copains pour l'instant faire ici. Je préférerais me défoncer parce que je sais que Bekoran me déteste. Je sais que Suika me déteste. Je sais que Yuki Kami me déteste. Donc je sais qu'une fois que j'aurai sécurisé ça, j'aurai des copains à l'ouest. La nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Ok, Kaguya Sedapan. Président des Yentei. Non, je vais me garder des bonnes relations avec elle. Alors, c'est quoi? C'est des barbares ici? T'es des barbares ici. Oh là, ça craint. Vous avez fait. Non, j'ai même fait une route par ici. C'est comme ça mon con, ces ouvriers. Ah, Orologium,
Sur la rue, vous ici, putain. On va construire. Je vais me faire bouger manuellement, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux acheter avec la foi? Prochain tour, j'achète une pagode ici, au Shiny de la Castle. Ça montrera un petit peu là. Et Entei et Ningen ou Sato sont amis. Très bien, nous aussi, on s'aime bien. Quelle est dans l'ère industrielle? Moi je suis l'ère moderne. Fille-moi Blefuscu. Moi je suis un foudre. Ah c'est pas moi qui est en situation de je vais me faire exterminer la gueule. C'est toi ma chérie. Qu'est-ce qu'on va construire ici? On va construire un colisée histoire de pouvoir gratter en plus du bonheur. Le squelette lui va gentiment venir jusque là. Et on voit qu'ils ont un arbalétrier, donc il va falloir acheter des défenses. Donc là on va construire quoi? Moulin à vent, oui, ça pourrait aller booster la production. Ici, on construit quoi? Également des remparts, parce que je sens pas du tout l'attaque du Yuka Kazami, non, non. Sur mon petit cul, hein, non, non. Je l'ai pas du tout venir. Hein. On va massacrer ces petites troupes là. Encore un colony. Alors l'ONI n'a pas intérêt à s'installer ici pour bloquer ma route. Hein. Je sens bien le coup du colon qui va s'installer par ici là pour profiter des bananes et des montagnes. Ou par ici pour profiter du fer et de la pierre près des frontières. Non, vous sentez pas? Vous êtes bien naïfs mes chers amis. Désolé, cet arrangement n'a aucun intérêt pour moi, je peux pas faire la guerre tout de suite. Désolé. J'ai pas les moyens de faire une guerre pour l'instant, ma chère. Je termine celle-ci. Je termine une guerre sans arme de siège. Oh putain, il nous faut une nouvelle ville ici, les salauds. Oh, ils s'étendent, ils s'étendent, ils s'étendent. Suga complote contre Sukuna. Oh! Je ne connais pas la cible. Oh, les Onis se préparent à attaquer notre cible. Intéressant ça. Et les mecs font des villes en boucle comme ça qui sert à tellement à rien en plus. Ça coûte combien espèce maintenant? 480. Pff, super cher ces conneries. Le village de Chernobyl, je vais les mettre plutôt aux frontières pour sécuriser les frontières avant que les autres qu'on attaque. Et si on peut pas acheter. C'est combien les canons? 640. Ouf. Plus vite. Bon, donc j'achète un canon en 4 tours. Répare les aménagements, toi.
On va faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Les Kobito m'avaient dénoncé, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ils m'avaient dénoncé. Ah, fête du roi. Répare-moi tous les aménagements de feignasse. Le squelette là, il va être promu en mode hop, passons dans la forêt. Il va exterminer cette unité là. Sans trancher, hop, tu vas guérir toi. Les zonis font des villes de manière super agressive aussi, hein, faut pas déconner. Hein. Ils disent ouais, vous êtes trop agressifs, blablabla. Bah, eux, on en parle même pas. Les lanciers, ok. J'ai hâte de voir l'artillerie, moi. On peut construire une. Parce que nous Oh la sommes tour tombés Eiffel! ingénieurs, croit-on donc Tâche à plus 12 au bonheur. jamais il n'y a eu. Eh bien, on va ici, on va mettre là. Construction, on va construire quoi? On va construire. Broadway ou le Fort Rouge? Ça sert à rien ça. Production plus 10%. Ah ouais! Ici on va construire quoi? On va construire. J'ai une bourse. Le fort rouge. Donc ça va développer. Je pourrais adopter l'esthétisme, c'est vrai. Nouveau principe ici, on va prendre quoi? État policier. Oh putain. Guerre totale! Oh, ça me plaît ça! Pour l'instant, état policier, parce que ça fait du bonheur. Non, mais guerre totale pour produire plus d'unités militaires. Et là, ça va chier, je vous assurais. Pourquoi les gens sont pas contents? Après, peut-être les settings qui pourraient être intéressants également. Ici. Encore un camp barbare? Je vais me faire ces cons. Oui, des ruines ici, mais on va construire quoi? Un. Oui. Parce que les ruines, je m'en fous un peu. Oui, des barbares ici. Et un camp ici. Et j'ai dit donc qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, il y a la porte de Brandebourg ici. J'ai envie de faire la porte de Brandebourg, c'est sûr. Ouais, je vais faire la porte de Brandebourg, c'est sûr. Allez, moi je dis à la prochaine. Salut tout le monde, n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts, des petits commentaires, c'est toujours extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé.